Chers amis, pendant le confinement, vous avez peut-être fait l'expérience de la prière. Et vous avez vu que la prière vous apportait la paix. Et maintenant que le confinement est fini, maintenant que toutes nos activités ont repris, vous pouvez peut-être vous dire « je n'ai plus le temps de prier, c'est fini, c'était une belle parenthèse ». Alors faut-il renoncer à la paix? À la paix que vous avez expérimentée, à ce contact avec Dieu que vous avez expérimenté? Non. La prière est toujours possible et je vous propose une chose très simple, une oraison express de 3 minutes tous les jours. 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps de cette vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous avez le temps de prier. Comment faire? La prière, c'est d'abord un contact avec Dieu. Un contact direct avec Dieu. Avec ces capacités que nous avons dans notre âme, que sont la foi, l'espérance et la charité. Par la foi, nous connaissons Dieu. Par l'espérance, nous le désirons avec confiance. Par la charité, nous l'aimons tel qu'il est, nous l'embrassons, nous le saisissons. Le but de cet oraison de 3 minutes, ce ne sera pas d'abord d'avoir de grandes idées. L'oraison ne se passe pas d'abord dans l'intellect, dans l'intelligence, dans la tête. L'oraison, c'est un contact surnaturel avec Dieu lui-même, tel qu'il est. Le but, ce ne sera donc pas de développer de grandes théories sur Dieu, ou de faire une grande méditation que nous pourrons expliquer aux autres. Non, le but ce ne sera pas d'avoir de grandes émotions non plus. On ne mesure pas la qualité de notre oraison à la profondeur de nos émotions. Il se peut que pendant notre oraison, nous n'ayons aucune émotion, aucun sentiment, que nous soyons froids. Le but, ce ne sera même pas de faire une méditation au sens oriental du terme. Le but, ce ne sera même pas de faire une méditation au sens oriental du terme, c'est-à-dire de se retrouver avec soi-même sans aucune distraction dans la paix du cœur. Non, le but, c'est d'avoir un contact avec Dieu. C'est Dieu que nous voulons retrouver. Alors, comment faire très concrètement? Eh bien, pendant le confinement, peut-être que vous avez téléphoné tous les jours à un grand-parent, à un parent, à un ami. Écoutez, imaginons un fiancé qui téléphone à sa fiancée tous les jours, 3 minutes, juste pour dire « je suis là, je t'aime, je pense à toi ». Eh bien, c'est ça que nous avons à faire. 3 minutes tous les jours pour dire à Dieu « je suis là, je t'aime, je pense à toi ». 3 minutes pour lui dire « je crois en toi ». J'ai confiance en toi et tu es mon trésor, c'est toi que je désire. 3 minutes pour lui dire « je t'aime ». C'est ça l'oraison. Si vous prenez 3 minutes tous les jours, alors vous aurez 3 minutes tous les jours un vrai contact avec Dieu. Et ça changera votre vie.